Fremsem, bonjour. Nous comptons ensemble avec vous matin, hein, qui c'est mardi 13 février, pour nous capables ensemble étudier leçon école sabbat. Avant de nous commencer, nous invitons pour capables baisser tête tout, pour nous capables prier. Éternel Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous bénissons. Nous disons merci pour grâce, nous disons merci pour l'amour, merci pour nouvelle journée ça que vous accordez nous. Alors que nous prenons étudier parole, nous demandons pour capables touchez-nous, imprégnez-nous de cet esprit. Qu'on s'en va comprendre et mettez en pratique tout ça qu'on voulait enseigner nous matin. Avec nous dirigez-nous, nous ne pas bonnes pas dignes. Mais si nous prions, c'est dans le nom petit tout Jésus qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Bienvenue, une autre fois encore, Frère Maxime. Jeudi, c'est mardi 13 février. Petite leçon, c'est si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles. Si vous te connais qu'un souvenir iniquité nous yo l'éternel. Eh bien, c'est dans Somme 130 que le son a déroulé matin. Demandez-nous pour nous lire le Somme 130 et pour nous répondre à la question ça. Qui Jean gravité péché et espoir que péché a gagné, lui représenté dans Somme ça. Eh bien, nous ouais, grande affliction salmislan lié à propre péché lui et à péché peuple lui. C'est ça nous capable lire dans Somme 130 les versets 3 et également dans le verset 8. Eh bien, péché peuple est tellement grave que péché ça a menacé que bon Dieu sépare à toujours de peuple là. OK. Et les écritures, la Bible, il parlait de registre des péchés, ça veut dire qu'on côté que péché que nous yo péché que nous commettons yo conservé, yo écrit pour le jour du jugement. Nous capable lire ça dans Daniel 7 verset 10. Dans Apocalypse 20, verset 12. Et nous voyons que nos péchés, automatiquement, ou péché, ou pas confesser, ou pas recevoir le pardon, non écrit, non retiré dans le livre de vie, non retiré dans le livre de vie. Et ça, nous avons dit dans Exode 32, verset 32, Somme 69, verset 28, Apocalypse 13, verset 8. Eh bien, Salmiste, il fait donc appel au pardon de Dieu, qui a effacé trace. Péché nous yo. Somme 51, verset 1 et 9, Jérémie 31, verset 34, Michée 7, verset 19. Donc, Salmiste n'y connaît pas nature et bon Dieu pas mette en colère. Pas oublier que la nature de Dieu, c'est l'amour. L'amour, bon Dieu, éternel. Et colère, bon Dieu, ça qui déclenche lui, c'est incapacité les hommes gagnent pour apprécier l'amour. Ça dit que les nous pas capable apprécier l'amour de bon Dieu, ça lui déclenche colère, bon Dieu. Eh bien, but colère bon Dieu, c'est pas pour blesser nous, mais plutôt pour le guérir nous. OK? Et c'est pour le guérir nous, c'est pas pour le détruire nous, c'est pour le sauver peuple li, pour le sauver peuple alliance li. Pas oublier que il a parlé de l'alliance, il va parler de peuple Israël, il a parlé de ou même jodi a qui fait une alliance avec bon Dieu, qui baptisé, qui prend un engagement pour servir bon Dieu, frère Maxime. Eh bien, il dit nous faut que nous remarquer et que bon Dieu gagne volonté pour le pardonner péché nous yo et il pas gagne volonté pour le punir nous. OK, c'est ça qui inspire révérence envers lui-même. Ça veut dire nous pas doit observer bon Dieu avec peur. C'est ça qui fait l'adoration authentique, il fondée sur l'admiration du caractère d'amour de Dieu et non sur la peur du châtiment. Ça veut dire soit servir bon Dieu parce qu'on peut perdu ou peut pour aller en enfer ou pas servir bon Dieu, frère Maxime. Ou doit servir bon Dieu parce que ou admire caractère l'amour bon Dieu. C'est ça qui doit et pousser à aimer bon Dieu. Eh bien, petit bon Dieu, yo appelé pour capable et attendre l'Éternel. Capable lire dans Somme 27 verset 14, Somme 37 verset 34. Eh bien, le mot hébreu kawa qui veut dire attendre, il veut dire littéralement prolonger. Pas oublier que les mots hébreux yo pas gain en traduction automatique avec le français, mais yo essayer garder sens yo et les ou traduire littéralement ou gen doit pas comprendre, mais yo utiliser mot kawa qui veut dire littéralement prolonger, mais li gen sens attendre tan. Eh bien, li c'est racine yon l'autre mot hébreu qui c'est espoir. OK, eh bien, ainsi l'attente du Seigneur et c'est pas un abandon passif aux circonstances misérables. Ça veut dire l'obtenir, bon Dieu, c'est pas abandonner ou abandonner pour faire sauver ou bien ou abandonner à vous-même, non. Mais et son espérance
que ou gagnez. Son espérance que bon Dieu li gagne pour l'intervenir, bon Dieu gagne pour lui éliminer mal qui a dominé le monde que nous vivons jounen jodi a. Eh bien, et le mal li gagne pour éliminer dans ce monde, eh bien, c'est ça nous attend, frère Maxime. C'est ça nous attend. Entre-temps, ou même pratiquer la justice. Ça veut dire sous pas son côté ou que y a maltraité moun ou même traiter moun bien. Nous devons combattre le mal par le bien, frère Maxime. C'est ça que nous-mêmes nous appelons pour nous faire. Eh bien, je dis nous dans la leçon que l'espérance du psalmiste n'est pas fondée sur son optimisme personnel. Espérance psalmiste, c'est pas sous propre force, sous le fait que l'est optimiste. Et non, mais c'est sur la parole de Dieu, c'est sur la promesse de Dieu. Eh bien, l'attente fidèle de l'Éternel n'est pas vaine. Parce que après la nuit vient le matin et la délivrance divine a venu. Remarquez qui Jean gagne un plaidoyer personnel, Salmis l'a fait. Et plaidoyer par l'avenir, plaidoyer toute communauté. Nous lisons Psaume 130, versets 7 et 8. Eh bien, bien-être de yon individu est l'indispensable de l'ensemble du peuple. Ça veut dire que l'on va prier, pas prier seulement pour tout. Pensez avec frère là, parce que péché ou prier pour lui, il y a un frère qui est dans la même situation, ça a tout. Peut-être qui a lutté tout. Ça veut dire que la situation pour là, qui est l'autre monde qui a vécu tout. Donc prier, pas prier seulement pour vous, mais prier pour l'église ou prier pour la communauté ou prier pour tout le monde, prier pour les frères et sœurs, côté que ou persévérer dans l'église ou. Parce que vous-même tout, vous faites face à des difficultés, vous faites face à des problèmes, des bagailles qui vous arrivent à changer dans la vie. Eh bien, on ne pas prier seulement pour tête, non. On nous prier pour tout le monde. Je dis, nous, en tant que croyants, nous faisons partie d'une communauté et ce qui a un impact sur une partie de la communauté a un impact sur tout le monde. Eh bien, nous avons que les gens font bagaille qui mal, c'est dans toute la cité. Les gens nous font bagaille qui mal, ils disent c'est adventiste. Donc, l'on a prié. Prié pour frère, prié pour sœur, prié pour toute communauté en général. Et bien, pour finir, vous posez nous une question, ou bien vous attirez nous, attention nous. Je dis, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Eh bien, ça c'est dans le psaume 130, le verset 3. Si bon Dieu te connaît garder souvenir de péché de iniquité, qu'est-ce qui t'a capable de résister? Eh bien, qu'est-ce que ça signifie pour vous personnellement? Ou même ou capable identifier ou capable et passer en revue la vie ou capable identifier qui problème que vous gagné qui ça qui passé dans la vie ou tout péché qu'on fait que si l'Éternel li t'a kembe souvenir de yo est-ce que ou t'a existé encore. Eh bien frère Maxime en nous continuer garder à Jésus parce que livre les sauver nous. Nous comptons matin parce que nous connaissons que bon Dieu n'a pas gardé le souvenir des iniquités. Et ceci, c'est si ou même ou décidez marcher selon l'esprit. C'est si ou même ou décidez accepter le pardon de Dieu. Nous te lis dans le son hier là que des fois nous prions nous pas recevoir le pardon c'est parce que nous tournons fait même bagaille là. Donc puisque bon Dieu n'a pas gardé souvenir iniquité, en nous confesser péché nous une fois pour toutes. Et puis, pour nous garder à Jésus, pour nous pas tourner, ou faire même bagaille là. Eh bien, frère Maxime, c'est comme ça. Nous présentons le son au matin. Hein? Nous invitons pour capable baisser tête pour nous prier. Merci Seigneur, parce que vous pas garder le souvenir des iniquités. Seigneur Dieu, si vous avez gardé le souvenir iniquité, eh bien, je ne dis pas nous pas exister. Mais Seigneur Dieu, nous reconnaître que les nous demandons pardon pour yon faute, pour yon péché, nous pas de tourner la donne, Seigneur. Aidez-nous chaque jour. Nous appelons. Réclamer pardon, Seigneur, de manière à ce que nous sommes capables de changer, nous sommes capables de recevoir la paix et nous sommes capables de continuer à militer dans la cause chrétienne. Nous ne pouvons pas dire, merci de prier. C'est dans notre petit tout Jésus qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Merci et merci encore une fois, chers frères et sœurs. Nous sommes contents ensemble avec vous. Merci parce qu'on pourrait partager le son ça, de manière à ce que l'autre monde soit capable de toucher de message ça. C'était frère Ismaël Chéri. Que bon Dieu bénisse.